Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la toute dernière vidéo de Call of Duty, la grande offensive, donc toujours sur la campagne russe. C'est parti. C'est clair.
c'est impossible. Ça suffit. Attention, je pars parce que vu qu'il y a une IA concernant une voiture, quand c'était un petit bruit, c'est sur le chemin, pas dans une voiture, je vais me dessus. Et vous m'aurez. Je trouve quand même assez pitoyable. Continuer avant qu'ils ne contre-attaquent. Nous allons les contourner par le gîte. Il faut prendre et tenir la gare. Bombardier en approche! Là-bas, une DCA allemande! On peut s'en servir pour abattre leurs avions! Petite sauvegarde s'impose. Sentiment vient ici. Qu'est-ce que...
tire dessus. C'est une blague là. Il tire plus. C'est pas possible, je rêve. Bon bah on va mourir les gars. On va rentrer en force mais on va mourir. Hein. Ouais bah je sais pas d'où ils sortent hein, mais enfin c'est incroyable quand même. On va re-sauvegarder une nouvelle fois. Moi je serai proche des munitions. Thank you.
c'est trop compliqué personnellement les amis. Déjà mes alliés sont inutiles, je suis submergé. Parce que sinon ça va devenir un peu mal. On arrive à la deuxième char avec je n'ai pas de vie là pour les échelles. Il faut voir que je la relance encore. J'ai le Luka à couvert.
Il sauvegarde sa pause. Sauvegardez les amis, c'est ce gars qui détruit leur propre char. Je préfère ne pas avoir à bouger. Vous laisser détruire leur propre char. Regardez quand même une dernière fois. Maintenant le Stuka vient de la droite, il est à gauche. Là je joue sur un missile, c'est fini pour moi. Oh,
Voilà les amis, donc c'est la fin donc de Call of Duty, la grande offensive. Donc je vais la faire courte pour cette dernière vidéo. Donc je vais pas faire le même type de briefing que j'avais de briefing pardon que j'avais fait lors du premier Call of Duty puisque celle-ci c'est donc l'expansion comme vous avez très bien vu le titre. Globalement il y a quand même un truc en plus, bon, c'est pas énorme, hein, mais vous pouvez courir sur ce Call of Duty. Vous avez vu la différence par rapport au premier où vous ne pouviez pas courir. Vous aviez les mêmes modalités, c'est-à-dire vous jouez avec. Vous faites la même campagne, pardon. Donc américaine d'abord, britannique ensuite, et pour terminer la campagne russe. Néanmoins. Bon, je pense que vous en apercevrez par vous-même, mais la campagne russe est quand même assez compliquée. Par rapport au premier Call of Duty. Et je trouve que voilà, l'IA, enfin les bots, quoi, enfin, vos alliés en tout cas, ne vous aident pas forcément, notamment lorsque vous jouez sur la campagne russe. J'aurais tendance à dire de manière générale, mais. Plus sur la campagne russe, selon mon expérience, en tout cas, de ce que j'ai pu voir en jouant à ce jeu, qui quand même, malgré tout, reste l'un des tout premiers Call of Duty sortis, que ce soit sur PC ou même sur console, parce que je vous rappelle qu'il était sorti en 2003, donc ça fait maintenant pas mal d'années, 21 ans pour être plus exact. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas par la suite également à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus de ce genre. À partir de jeudi, je vais bien évidemment publier un nouveau jeu. Alors ça sera toujours sur le même type de contenu, enfin le même type de jeu vidéo, c'est-à-dire ça sera du FPS action. Je pense que je publierai Rainbow Six Vegas, ou bien alors ce sera Syndicate, à moins que je décide de poursuivre mon aventure avec Call of Duty. Mais voilà, ça sera du FPS action de toutes les manières. Donc voilà, du coup, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve donc jeudi, en espérant que vous passerez un bon début de semaine. Et n'hésitez pas à checker les différents réseaux sociaux que je possède. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Ciao, au revoir.